Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire la découverte donc de tube. Bon, il se met ou pas? Je vois pas si ça s'est mis ou pas. En plus, il y a un reflet de malade. Bon, je pense que ça doit se voir. Enfin, j'espère. Mais bon, bref. Donc tube 10e anniversaire. Voilà. Je pense que ça devrait être net. Ouais, ça doit être net là. Voilà. Donc, voilà. Et puis, donc, à l'intérieur de la boîte avec donc la cartouche. J'espère que c'est net. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même l'intérieur, pas de goodies, que dalle. Hein, bon, enfin bref. Allez. Allez, c'est parti donc pour la découverte. Allez, c'est parti donc pour la découverte de Tube. Ou Tube. Non, je vais dire tube parce que tube ça me fait bizarre. Donc tube, et au moment où vous faites nouvelle partie, vous avez le choix entre deux versions. Donc la première version du jeu qui est donc rester simple sans scénario, profiter des énigmes, et la version où ils ont rajouté un scénario. Donc enfin, en gros, vous entendez une personne faire du blabla, du blabla, du blabla. Et puis donc, et attendez, riche complet avec des niveaux étendus. Ouais, bon, bah ça, je sais pas ce que ça rajoute ou quoi que ce soit. Bon, moi, je vais faire la version sans scénario parce que vous me connaissez, je vais tout zapper. Donc, ce qui va faire, ce qui, ça va revenir au même. Mieux vaut que je choisisse le premier. Oui, c'est pas la peine. Hein. Donc, là, par exemple, quand vous commencez là, hein, vous entendez un personnage qui parle. Hein, qui croient que vous êtes mort, puis qu'en fin de compte ils entendent votre cœur battre, et puis que en fin de compte vous êtes bien vivant. Enfin, j'ai juste essayé vite fait pour voir ce que ça faisait. Qu'est-ce que ça faisait? En toute franchise, voilà. Moi, je préfère tranquillement faire le jeu et zapper toutes les. C'est pas des scènes cinématiques, c'est. Bon, enfin bref. Alors. Oui, bon, alors. Bon, on peut pas courir par contre, c'est ça qui est chiant. Alors c'est sûr que ça fait très portal. Bah c'est un portal like, voilà. On va déjà se dire ça. Par contre, alors là... Ouais, la première chose qu'on voit, c'est l'aliasing. Ah la vache. C'est un truc de malade. Bon, après le bonhomme... Bon, non, il se déplace très... c'est lourd de toute façon. Ouais. Bon alors s'il y avait le personnage qui parlait, il vous dirait qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Voilà, bon. Alors moi j'ai déjà joué au jeu à l'époque quand il est sorti. Alors par contre je me rappelle pas sur quoi. Non, ça devait être sur 360, je pense. Voilà, donc les gâchettes à droite et à gauche, enfin ZL et ZR, hein, vous permet donc ZL de descendre et puis donc ZR de monter. Ah. Ouais, c'est dommage parce que, ouais, franchement... Au pire, j'aurais préféré que ça soit flouté. Ça soit un peu flouté. Bon, tu me diras, c'est flouté hein, quand même un peu. Mais là, ça alias de malade. Ah oui, merde. Attends, j'ai pas. Non, c'est bon. Allez, hop. Bon, alors là, forcément. Comme je vous ai dit, moi j'y avais déjà joué donc quand il était sorti la première fois. Alors forcément,
Bah, je connais un peu le jeu. Mais bon, je vous fais découvrir quand même. Si jamais vous dites qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, pourquoi, comment. Bon, bah voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, peut-être que je lancerai la partie. Comment ça s'appelle avec l'histoire, comme ça vous verrez la différence. Non, tu fais une connerie. Attends. Et là, je tombe. Oh merde. En gros, c'est que ça en fait. Hein, vous jouez. Oups. Vous jouez avec les couleurs et donc les tubes, forcément. Oh là 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 là. Oh, ça pique un peu quand même. Hein. Oh, puis on peut pas me dire. Ah, on peut pas me dire quand même que c'est un peu compliqué. Enfin, Portal, il est nettement plus beau quand même. Là. Moi, ouais, j'ai un peu déçu quand même. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un truc là-bas. Attends. Y'a rien qui est caché au cas où. Attends, me demander. Non, je vais la faire la connerie, je vais redescendre aussi vite. Non, je n'ai pas l'impression. Au pire, je vais finir encore cette salle-là. Et ensuite, on va refaire, mais en version donc scénarisée. Comme ça, on va voir la différence. Parce que après, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est comme ça tout le long. Bon, ça devient un peu plus corsé au fur et à mesure, mais ça sera toujours la même chose, en fait. Bon, petit à petit, vous, voilà, vous avez des nouveaux trucs. Alors, attends. Un truc comme ça, faut que je fasse. Ah non, ça y est, j'ai l'embrouillé. Bien. Toi. Hop là. Ah attends, je reviens. Non, c'est au maximum ça. Je sais pas si je vais pouvoir là. Non, je vais pas pouvoir. Ah non, si je le fais, il va disparaître. Merde, je m'en rappelle plus là.
Ah non, ça y est, je me rappelle. Oui, attends. Donc, attends, ça faut le virer. Hop. Là, attends. Hop là, voilà. Hop. Oui, c'est bon, c'est. Voilà, nickel. Alors, il y a peut-être d'autres manières, hein, mais. Ah, attends. Ah, si, un petit truc là. Je sais pas comment tu fais pour y aller, par contre. Attends, je vais essayer un truc. Ah putain, quel con, c'était l'autre bouton. Oh non, de toute façon, ça m'a. Je sais pas si ça m'aurait permis de sauter. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein, on va pas. C'est pas très grave. Bon, alors, donc là, on arrive dans une nouvelle pièce. Je pense, oui. Je sais pas du tout. Non, c'est pas le niveau suivant. Bon, on va passer, on va aller là-haut. Et puis après, on change. Du calme, Marcel. Voilà. Attends. Ah, c'est ça. Attends, est-ce que par contre, il faut que j'y sois? Ouais, il faut que j'y sois d'abord avant. Ah, attends. Attends, j'ai pas besoin d'être là. Ah bah non, je suis con, j'aurais pu remonter les marches. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, donc. Hop. Hop. C'est bon. Non, il aurait fallu le choix dessus. Non, faut le choix dessus. Et flûte. Ah bah attends, on va faire comme ça. Bon, attends. Oui. Non, mais c'est pas bon. Hop. Ça. Hop. Donc moi, je remonte dessus. Là, il faut jouer dessus. Attends. Hop. Hop. Tac. Ouais. Voilà. Attends. Hop là. Voilà, c'est bon. Bon. Allez. On va faire la version scénarisée. Hein, j'ai vu qu'il y avait la petite sauvegarde. Attends, j'ai vu un autre truc. Attendez, j'ai vu un autre truc. Ah non, je croyais qu'il y avait un truc au-dessus. Attends, on va voir si c'est bien ça. Je peux bien. Bah, c'est rien cette zone. Ah oui, là il y a un. Oh. Ouais, mais il n'y a rien pour y aller. Y a rien pour y aller. Attends, c'est là où on va la faire. Comme ça, vous allez voir avec les petites billes. Bon, attends. Oui, alors attends, non, il faut recommencer. Mais non. Non, mais non, attends. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y en avait là. Alors, attends. Donc là, ça va passer là. Je voulais qu'on m'a fait. Ah, mais si je fais comme ça. Attends, maintenant que je sais qu'elle va aller là, ça tu relèves, et il faut qu'elle aille là-dedans, ok c'est bon. Donc, là, hop, je lance. Attends, non, il faut que j'arrive à la pousser pour qu'elle aille là. Attends, d'où elle arrive déjà? Elle arrive ici. Thank you.
Oui, c'est ça. Attends. Hop. Voilà. Il faut qu'elle aille là. C'est bon. Il revient. Et hop, bingo, impeccable. Voilà. Allez, bon, ça va sauvegarder. Voilà, ça sauvegarde en haut à gauche, c'est bon. Oui, voilà, là j'ai terminé le niveau. Voilà, là il va me dire, ouais, c'est fini, impeccable. Donc là, on va relancer la partie, mais en version donc scénarisée, comme ça on va voir la différence. Donc, bon, bah là je vais pas avancer, comme ça, ça sera une surprise. Alors, donc, on retourne là-dedans. Oui, je me tire. Et donc là, on va refaire nouvelle partie. Oui, je m'en fous. Moi, ça me gêne pas de le refaire. Donc là, par contre, vous allez avoir du blabla. With all due respect, your best guess is still just a guess. We need to have faith in the possibility of good. Wait, hold on. His oxygen consumption's going up. I think he's alive. He's conscious. Hey, go steady down there. You've been out for a couple weeks. 15 days, in fact. They thought you were dead. If it wasn't for your life, you probably would be. Listen, there's been a complication. We can't link into your POV camera, and it looks like communications are only working one way. You can hear me, I hope, but I can't hear you. That means we don't know how badly you were affected by the transportation. If you're feeling confused or disoriented, you should know that deep space travel can do you pretty serious psychological damage, especially to your memory. Even a few hours out there in the dark can cause permanent problems. I'm gonna be honest with you. Ah oui, mission control concerned, you might have no idea who you are or why you're in there. If that's true, I have some difficult facts for you. You're a long way from Earth. A very long way. But every single person on the planet is depending on you. That thing you're inside right now, whatever it is gonna hit Earth in the next few hours. And if it does, that's the end of everything. Hop, désolé, mais là, la musique. Je vais mettre 50. Bon, 60. Allez. Bon, d'un côté, je parle tout de suite parce que comme elle parle, c'est pas facile de. Bon, bref. En fin de compte, si oui. Je sais pas si ça va être exactement les mêmes, mais ou alors ils ont rajouté des petites séquences. Pour avoir le temps que l'autre puisse parler, nous expliquer, patati patala. Et ensuite, mais je pense que ça devrait être les mêmes niveaux. C'est juste qu'ils ont amélioré la transition entre les niveaux par rapport à la version simple. Par contre, le truc de départ, là, comme a dit, ça fait des semaines que vous êtes dans les choux. Et puis après, précise 15 jours pour être ça. Ça fait pas des semaines, ça fait 2 semaines, faut pas déconner. I just hope you haven't forgotten enfin, bref. We all do. Now, listen carefully. This is important. The reason why it's me talking to you and not mission control is because you're too far out into deep space. Their signal can't reach you out there, but mine can. I'm Commander Novak. I'm an astronaut on board the International Space Station. I'm gonna relay everything they tell me. But the bad news is, every time I orbit around the far side of the Earth, I'll move out of radio range. When that happens, you're gonna be on your own for a while. Just stay calm, and keep your head straight until I get back into range. Okay, this is it. I'm orbiting out of range now. I'll be back soon. Just remember what I've told you, and believe it. Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement les mêmes niveaux, sauf que en fin de compte, pour que vous écoutiez
la personne en train de vous parler, donc ils ont fait une petite transition avec voilà des niveaux supplémentaires. Bon, mais bon après voilà, ça reste. Hein? Ça, je veux dire, ça reste quand même les mêmes niveaux, quoi, en fait. Voilà, c'est juste, voilà, entre deux, vous avez voilà, une petite histoire. Alors, on va voir jusqu'au bout quand on va reparler. Tiens, je fais tout, voilà. Je sais pas si c'est tout là. Tu vois. Hop hop. Ouais. Ah dommage. J'aurais bien voulu la voir au même moment. J'aurais pu faire tout d'un coup. Alors. Il faut que je finisse peut-être le premier niveau pour qu'elle reparte. Voilà, évidemment, vous revoyez les mêmes niveaux que tout à l'heure. Ah bon, c'est pas grave, hein. C'est juste pour voir jusqu'à où elle va reparler. Bon, si je vois que... Bah, c'est simple, de toute façon, si jamais vous avez une coupure, c'est que... Bah, ça va pas reparler, quoi. Bah, ça a mis du temps à reparler plutôt. Bon, non, de toute façon, on va s'arrêter là. Je pensais qu'il allait reparler tout de suite, mais non, non. Bon. Bah, comme ça, vous avez vu la différence avec donc la version classique du jeu, c'est-à-dire sans la narration, et la version avec la narration. La version avec la narration, ça fait bizarre. Bon, enfin bref, la version avec l'histoire, voilà. Mais je m'attendais qu'elle parle là pour au moment où je passe au deuxième niveau, mais que dalle. Bon, bah tant pis, hein, qu'est-ce que je te dis. Ça n'a pas envie de parler, elle parle pas. Hein. Bon, enfin bref. Bon, c'est un bon petit jeu. Comme je l'ai dit, dans le délire de Portal. Là, la différence, au lieu que ce soit des portails, bon, bah c'est des cubes de couleur. Ou alors des petites boules, ou ce genre de truc, quoi. Un machin de logique et tout ça, là. Mais ouais, ce qui est décevant, c'est l'aliasing qui a pas constant en fait. Quand dès que tu... Enfin, non, si tu regardes comme ça, tu fais pas trop attention. Bon, oui, c'est flouté quoi, un petit peu, c'est flouté. Mais alors, dès que tu commences à bouger, hein, voilà, surtout dans le fond, ouais, on le voit. Hein. Ouais, bon, peut-être à force, on n'y prête pas attention. Ouais, bon, enfin, bref, ouais, ça se voit, c'est ça qui est chiant. Oh là là. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, la prochaine fois, j'ai reçu le jeu, c'est bon. La prochaine fois, vous aurez donc les Schtroumpfs 2. Voilà. Alors, les Schtroumpfs 2, quoi le prisonnier de la pierre verte. Ah, c'est le prisonnier de la pierre verte. Je crois que c'était un truc où tu devais aller chercher une pierre verte, en fait, plutôt. Ok. Bon, puis là-dedans, par contre, ils l'ont garni de goodies et tout ça. Donc, ça, vous verrez donc la prochaine fois, hein, quand je vous ferai la présentation de la boîte. Bon, là, il y aura forcément une info. Là, il n'y en a pas parce que, bon, bah, un portail like, voilà. Avec des couleurs, avec des cubes. C'est tout. Voilà, j'ai résumé. Je vous ai dit les défauts, là, directement à la fin, comme ça, c'est fait. Et voilà, c'est pas à peine que je m'éternise dessus, non. Puis comme ça, vous avez vu les deux versions. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon jeu et à la prochaine fois. Salut!